Je suis profondément un démocrate et un démocrate au sens le plus strict du mot, c'est-à-dire le pouvoir du peuple, c'est-à-dire une personne, une voix, un travailleur, un travailleuse, une voix, c'est l'organisation par la base de la production. Je peux te parler de démocratie au travail et d'abolition du pouvoir du capital, parce qu'au fond, c'est ça. Le, moi, la, la grande injustice que je vois dans cette société, c'est qu'il y a une minorité de gens qui ont accumulé du capital sur des siècles et des siècles et qui toujours aujourd'hui s'en servent pour nous dominer, nous gouverner, nous exploiter. Donc c'est cette, cette réalité-là qui me dérange. L'objectif, ce serait qu'on soit tous heureux et que finalement, ça fasse diminuer aussi le niveau de violence dans la société, le niveau de violence dans tous les sens du terme, qu'elle soit sociale ou interpersonnelle, physique, etc. Je pense qu'un système où il n'y aurait personne à la rue, où tout le monde pourrait manger à sa faim, où tout le monde pourrait avoir accès à l'éducation euh, gratuitement sans avoir à, euh, à ce que le capital décide pour nous. Euh, je pense que ce serait effectivement un gain, un bénéfice pour toute la société. Dans l'entreprise à l'heure actuelle, euh, si tu es démocrate, tu es pour la fin du, du pouvoir du capital sur le travail. En fait, la démocratie sur le concept initial, elle est née en Grèce. Euh, et pour moi, une démocratie bien comprise, euh, c'est une démocratie où on n'élit on pas les gens. Ça, les Grecs l'avaient parfaitement compris. On ne vote pas pour des gens. Ça, c'est aristocratique. Et là, ce à quoi tu fais référence, cette démocratie anglaise, elle est en réalité totalement aristocratique, c'est-à-dire ce sont des puissants qui s'organisent entre eux pour gouverner. Euh, la réalité d'une démocratie, c'est-à-dire du pouvoir du peuple, c'est le tirage au sort, ce n'est pas l'élection, ce n'est pas le, le, le choix d'un représentant. Après, moi, ma définition de la démocratie, effectivement, l'élection, elle peut y jouer un rôle, elle peut y avoir des, des rôles à certains moments, mais dans l'ensemble, c'est une démarche qui est aristocratique, qui permet de voter pour une personne et de lui donner le pouvoir. Moi, ce n'est pas du tout euh, ça que j'entends quand j'entends démocratie. Donc, si tu me parles de la démocratie à l'anglaise, on ne sera pas d'accord. C'est pour ça que je te parle de démocratie représentative. Les termes sont importants, par opposition à effectivement une démocratie, euh, on va dire, authentique ou radicale, si tu veux, tu peux l'appeler comme tu veux, qui euh, est basée sur le tirage au sort, qui est basée sur la prise de décision directement par les gens avec des mandats courts, non renouvelables et dont le but n'est pas de faire une carrière. À terme. Voilà, pour moi c'est ça la démocratie. Si on est dans la représentation avec une minorité de gens qui sont en plus, quand on fait les arbres généalogiques, ben comme par hasard ceux qui sont élus lors des élections, ben, ce sont parmi les familles les plus puissantes. C'est bizarre, c'est il y a une espèce de récurrence comme ça. Donc évidemment que la la, le, la démocratie libérale euh, représentative au sens où tu l'entends, pour moi n'est pas une démocratie, mais c'est une forme de de prison, euh, de, de, de prison politique. La démocratie passe par le vote, elle passe par le vote, elle passe par le tirage au sort, elle passe par tout un tas de procédures voilà. qui peuvent Exister, dont, dont okay. l'élection à certains cas, mais l'élection n'est pas en soi la preuve qui, que nous sommes en démocratie. Oui. L'élection est un, n'est pas un processus démocratique. La démocratie, c'est à la fois le tirage au sort pour des mandats courts et non renouvelables, pour des missions précises euh, des personnes, beaucoup plus que le fait de voter pour un représentant qui, pendant cinq ans, fait à peu près ce qu'il veut. Quoi. Le tirage au sort, euh, les référendums, euh, l'organisation de scrutins euh, en autogestion par, les, par la population elle-même. Oui.